Salut tout le monde, c'est moi Nosk, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing en compagnie de Louis, mon petit frère. Comment ça va Louis? Ça va trop bien. Il est con, je pense que tu dis trop bien parce que tu sais ce que c'est. Ils savent pas encore ce que c'est parce que le titre je vais pas écrire ce que c'est. Donc vous savez juste la marque de l'objet que je vais ouvrir, c'est tout simplement la marque, c'est HyperX, c'est le casque Cloud Alpha de chez HyperX qui est tout simplement ici, voilà. Donc mon frère quand il m'a vu le ramener, il était super content, il avait envie de faire la vidéo avec moi. Donc c'est parti, on passe au déballage. Alors donc voilà, la petite ouverture de la boîte en timelapse est terminée. Puis là j'ai rien touché, tout ce que j'ai pu voir c'est tout ça là, voilà. Le casque, on peut voir ici le micro. Avec la petite mousse au bout du micro pour éviter d'entendre les petits bruits parasites. Alors, la boîte nous indique que le micro est amovible, tout comme ses câbles et tout le tralala, voilà. Donc ça, on s'en fout. On va tout de suite. Il y a un truc qui est bien avec ce casque, il y a une mousse autour du micro, du coup on ne prend pas les coups de... Ouais, les petits bruits parasites. Alors on enlève ça et attention, donc on va déjà prendre le micro. Alors. Oh c'est trop bien. C'est bizarre, c'est trop content, c'est trop. Alors la petite mousse ne s'enlève pas. Ok, donc parce que sur certains micros elle peut s'enlever. Et le casque, attention. Oh la vache. Il est pas super lourd, franchement. Tu peux les enlever? Non, attends. Il est vraiment pas super lourd. Franchement, il est super beau. C'est le plus beau casque au monde, mais. Toi t'es. Tout... Regarde les mousses, mec, c'est trop bien. Là, franchement, c'est trop oreille, bien. Va doucement, fais doucement. Oreille, là, l'oreille est dans le trou. Elle est complètement dans le trou, l'oreille assurément. Les deux, on le portera après, donc on va juste enlever les petits papiers. Petits doigts, ouais, je peux faire. Petits papiers pour voir à peu près. Oh, avec le logo HyperX. Oh, j'adore la matière, comment ça. C'est de l'aluminium, ça me relaxe. J'avais écrit. Ça te relaxe. Non, c'est moi qui... Fais doucement. Alors, donc. On va regarder la boîte, elle est trop belle. Bah, je sais pas. Alors, si on regarde. Oh, là, il y a. C'est des câbles. Ça, je sais pas c'est quoi. On dirait des petits grains à l'intérieur. Ça touche à rien, touche à rien. Alors, ça, tu peux tout balancer là. Ah, il y a une boîte là-dedans. Il y a encore une boîte. Alors, il y a une petite boîte comme ça dedans. Qu'est-ce que c'est? On peut l'ouvrir. Bah déjà, faut que tu arrives à l'ouvrir, hein, si tu veux. Ouais. Ok. Bon, comment on enlève ce truc? Attends. Ah d'accord. Okay. Ah, voilà. Ah les câbles. Je me demandais où c'est qu'ils étaient. Alors ici, on peut... Le micro. Bah un micro pour un autre casque aussi. Alors donc là, on a le câble avec... Ah, il y a une petite commande pour régler le son du micro, de volume et puis pouvoir... Ouais, le volume du faire micro, marcher quoi. Le micro et tout. Ouais, le volume et c'est des micro. Petits des donc alors ouais. Attendez, le volume du micro c'est pour, ouais, donc ah très bien, donc là ça s'accroche ici. Et puis, le micro il s'accroche où quand tu mets ça alors? Bah attends, je... Et il s'accroche là où... Ah, il y a deux embouts là. Ok, donc il y a deux embouts. Enfin, ouais, il y a une... on va mettre le micro après. Puis ça c'est quoi ça? Ok, donc ça c'est pour les PC, c'est une petite rallonge. Là on peut voir qu'il y a que là ça c'est pour... ça se branche tout ça sur l'unité ou sur votre PC portable. C'est pour activer le micro et puis pouvoir entendre le son. C'est tout simplement une petite rallonge qu'on va. Alors. Bon, alors c'est pour ici. Ah, il y a une pochette au fond. Mais il y a encore des trucs là-dedans, hein. Ah, c'est peut-être pour. C'est pour mettre les trucs dedans, d'accord. Ok, donc il y a carrément des... Mec, c'est trop bien. Des protections et tout, enfin des petits trucs pour pouvoir le mettre dedans. La mini boîte du casque. Il y a rien dedans. Ok, donc voilà. Alors, on va mettre le petit micro. Ok, donc le micro, il est branché. Ah, il est... Ah, okay, il se plie bien. Il se plie, c'est qu'un comme ça, il a plié. Alors, on va voir.
déjà le confort il est vraiment exceptionnel. Absolument, absolument. On peut bien. Incroyable. Le micro on peut le mettre bien comme on veut. Et je vais. Alors je vais essayer de faire un truc. C'est genre que je vais essayer de vous. De brancher le casque au téléphone. Parce que j'ai pas mal de mal, j'ai pas une caméra de fou. Je vais essayer de brancher le casque au téléphone de façon à pouvoir entendre le son du micro. Et puis, ouais, touche pas. Oh, il touche à tout. Tu me poseras la question après. Et pouvoir entendre le son que le micro nous fait. Ok, re tout le monde. Donc là, je viens de faire le test du micro avec le casque. Et voilà, j'ai pu regarder la vidéo pour voir si je la mettais dans le clip ou pas. Ça marche pas sur mon téléphone. Mais vous inquiétez pas, je vais pouvoir vous sortir après cette vidéo-là un petit gameplay sur un jeu que j'ai déjà préparé là. Et vous allez voir le son, j'ai pu écouter, il est vraiment magnifique par rapport aux écouteurs que j'utilisais avant. Franchement, il est vraiment exceptionnel. Et... ouais, c'est bon, j'ai changé d'endroit, mon frère est parti jouer à la console. Donc pour ce qui est du bilan, le casque est vraiment super top. Son confort est vraiment pas mal, on est bien à l'aise. La qualité du micro est vraiment super et le casque a un beau petit style. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, à partager la vidéo, à activer la cloche de notification. C'était Nosk, à bientôt dans la prochaine vidéo. Normalement, si je ne me trompe pas, la prochaine vidéo sera le gameplay dans lequel je pourrai vous faire tester le micro. À la prochaine.